Dans quel domaine travaillez-vous? Alors, je travaille dans le domaine du sport. Je suis responsable du service des sports de la ville de Morlaix depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Vous avez déjà fait quelque chose d'autre avant ce métier? Alors, je suis depuis plus de 36 ans à la ville de Morlaix. Ça fait de nombreuses années. Et effectivement, j'ai commencé comme agent d'enquête bacmestre, donc en bas d'échelle, tout en bas. Et donc, j'ai grandi. Après cet emploi, j'ai été affecté au service des élections pendant quelques années. Ensuite, j'ai changé de service. J'ai été affecté au service du logement, là aussi pour plusieurs années. J'ai évolué vers les métiers de l'aide sociale, un métier assez intéressant, complètement différent, je n'avais pas du tout connaissance. Mmh. Et après quelques années encore, la possibilité d'entrer et de suivre une formation sportive s'est présentée en tant qu'éducateur sportif. Donc j'ai obtenu des diplômes qui m'ont permis d'intégrer cette filière. Est-ce que vous avez fait des études particulières du coup? Je suis allé jusqu'au brevet des collèges. Après le brevet des collèges, je me suis orienté vers une classe BEP, CAP, donc pour entrer dans la vie active. Et suite à l'obtention de ces diplômes, je suis allé au service militaire. C'est une chose que vous ne connaissez pas, qui n'existe plus. Apparemment, on va le refaire dans quelques années. On en parle effectivement. Suite à cette période, j'ai su rentrer dans ma famille et la question de trouver un emploi s'est de manière évidente posée. Et donc j'ai recherché, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé à la poste, j'ai travaillé aux huîtres, j'ai travaillé tout ce qui pouvait me rapporter un peu d'argent et me confronter à la réalité du terrain, de trouver un emploi. J'ai passé des concours. Et c'est le concours de la mairie qui s'est présenté le premier avec une réponse favorable et j'ai dit oui. Et à quoi consiste votre travail? Alors mon travail, comme on le voit autour de nous, sont les équipements sportifs. Donc il y a un certain nombre de terrains de football ou de rugby maintenant. Il y a les sports de salle, on a 5 salles, nous avons des terrains de tennis. Enfin, vraiment une activité sportive à Morlaix qui est assez importante. Donc on doit mettre en sécurité tous ces bâtiments, les entretenir aussi, puisqu'il y a des gens qui les fréquentent, les salissent. Et puis il faut que les gens qui puissent pratiquer, pratiquent en toute sécurité. Donc on doit entretenir, mais aussi mettre tous les bâtiments en sécurité pour que les gens puissent faire leur activité sportive en toute sécurité. Très bien. Et puis il y a les scolaires aussi, on ne les voit pas, parce qu'habituellement, il y a tous les lycées, les collèges, et ça grouille. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui fréquentent les équipements sportifs. Est-ce que votre travail est difficile? Pour moi, c'est un plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois beaucoup de choses, des tensions. On n'est pas d'accord, il faut prendre des décisions qui ne sont pas dans le sens des utilisateurs. On surveille, on leur met des contraintes, mais de toute manière, les gens viennent faire de l'activité sportive en dehors de leur temps de travail. Donc, de manière générale, les gens sont plutôt agréables. Ils viennent avec le sourire parce qu'ils vont faire du football ou parce qu'ils vont faire de l'escalade. Donc, on n'est pas là. On est en face des gens qui sont plutôt heureux de venir nous voir. Donc, c'est plutôt agréable.